s'élever et de naviguer dans les airs a toujours inspiré les premiers hommes. Les manuscrits laissés par Léonard de Vinci montrent qu'il fut le premier à tenter de réaliser scientifiquement le rêve millénaire d'Icare. Les nombreuses études sur ce sujet furent qualifiées le plus souvent d'élucubrations. La démonstration de la possibilité du vol mécanique par Clément Ader en 1890 marque la première date dans l'histoire des machines volantes. Trois ans plus tard, les frères Wright réussirent le premier vol soutenu sur un appareil de leur construction. En 1897, Clément Ader construisit un nouvel appareil qui, propulsé par un moteur à vapeur, réussit le 14 octobre à franchir 300 mètres avant de se briser au sol. Des hommes audacieux, Louis Bleriot. Gabriel Voisin. Robert Hénaud Pelletri et bien d'autres, aidés par un mécène. Ernest Arc Deacon recherchèrent avec ardeur et avec foi la solution du problème. En 1905, Robert Hénaud Pelletri faisait des études de planeur à l'aide d'une automobile portant à sa partie supérieure une surface d'expérience. Gabriel Voisin, associé avec Louis Bleriot, essayait sur la Seine des planeurs qui, remorqués par le canon automobile La Rapière, s'envolaient pendant quelques secondes. Toujours concluant, et le pilote s'en tirait parfois après un bain forcé. Santos-Dumant réussit le 7 septembre 1906 à voler une seconde. Le 13 septembre, il franchit 10 mètres, le 23 octobre, 50 mètres. Le 30 mars 1907 à Bagatelle, Charles Voisin accomplit un vol de 80 mètres sur un biplan conçu par son frère Gabriel. Farman effectue le 13 janvier 1908 le premier kilomètre en circuit fermé sur biplan Voisin, premier record en circuit fermé homologué. Dès lors, les progrès vont à pas de géant. L'année 1909, un prix de 25 000 francs est créé pour l'aviateur qui, le premier, réussira à traverser la Manche. Un duel s'engage aussitôt entre Hubert Latam et Louis Bleriot qui s'entraînent avec ardeur. Le 19 juillet, Hubert Latam décide de tenter le raid avec son avion Antoinette, construit par le Vavasseur. L'appareil est conduit jusqu'au terrain de Sangat, accompagné par une foule curieuse. À 6h45, il prend le départ. S'engage au-dessus des flots, d'où, quelques minutes plus tard, le torpilleur, le harpon, retirera son appareil détruit. D'une chute,
tenta également l'exploit sur son monoplan Bleriot 11 à carcasse de bois et à ailes entoilées. Le 25 juillet 1909, il prend le départ du terrain des baraques situé près de Calais. La TAM, il atterrit à Douvres après avoir couvert la distance de 38 km en 32 minutes. Ayant recueilli le prix de 10 années d'efforts et de labeurs, Louis Bleriot est fêté à Londres comme un souverain. Il regagne ensuite Calais à bord de l'escopette. La population parisienne lui fait une réception délirante et le monde entier retentit de son exploit. Tandis que le monoplan se couvre de gloire, les adeptes du biplan continuent leurs efforts. Le biplan Goupille à plan décalé réussit quelques vols à buc. En Angleterre, le colonel Cody, Buffalo Bill, effectue un vol circulaire de 3 km sur biplan. La grande semaine d'aviation de Reims venant juste après la performance de Bleriot fut véritablement triomphale. Elle se déroula au mois d'août 1909 sous la présidence de M. Armand Falière, président de la République. À cette occasion, Wilbur White et les élèves qu'il a formés en France accomplissent des vols impeccables. Sur biplan voisin fait une magnifique démonstration. Remporte la coupe de vitesse sur un biplan de sa construction en réalisant une moyenne de 80 km/h environ. Sur monoplan Antoinette, remporte le prix d'altitude en s'élevant à 155 mètres. Louis Breguet, moins heureux, brise son appareil à l'atterrissage.
Étienne Lefebvre, que voici se tua quelques jours après à Juvisy. Il fut la première victime de l'aviation française. Louis Bleriot remporte le prix de vitesse des 10 km. Enfin, Henri Farman, pour la première fois, emmène deux passagers et remporte le Grand Prix de Champagne. Au cours duquel tous ces vols sensationnels furent effectués, se termina dans l'enthousiasme général. Le 22 octobre apparaît la première aviatrice, la baronne de la Roche, qui réussit brillamment son premier vol. L'année 1910 voit se développer les voyages aériens et s'augmenter les distances parcourues. Louis Pollan vole de Londres à Manchester, 299 km le 23 avril 1910. Le gagneux porte le record de la hauteur à 3100 mètres. Glenn Curtis, vol d'Albanie à New York, 243 km. Réussit la traversée des Alpes, mais se blesse mortellement en atterrissant à Domodossola. Le monoplan bicurve Sloan, pour ses premiers essais, réalise des vols magnifiques. Et son passager Senou, parti de Paris, atterrir 5 heures plus tard sur le puits de Dôme. Le circuit de l'Est fut également un très grand succès et se déroula en présence d'une foule considérable. Vainqueur du circuit de l'Est. Jules Védrine gagne Paris-Madrid le 23 mai 1911. Il atterrit à Saint-Sébastien avant-dernière étape. Font une belle ovation à l'aviateur français. Le 31 mai 1911, André Beaumont gagne Paris-Rome et le circuit européen. Mademoiselle Hélène Dutrieux remporte la coupe féminin.
un des premiers aérobus construits par Alvestar enlève pour ses essais de nombreux passagers. L'année 1912 fut surtout l'année de l'hydravion. Déjà en 1911, Collier, sur Canard voisin, avait réussi en Seine de très beaux vols. Réussit à son tour, quelques mois plus tard, sur une machine moins acrobatique, construite également par voisin. Constructeurs et pilotes rivalisent d'efforts et d'intrépidité pour adapter leurs avions et leurs sciences au vol maritime. Ils y parvinrent en quelques mois et du 24 au 31 mars, un meeting réservé à l'hydravion réunit à Monaco de nombreux concurrents. Farman remporte la première place de cette compétition. Un autre problème séduit à cette époque de nombreux et infatigables chercheurs, celui de l'aviette. C'est le populaire champion cycliste Poulain qui, le premier, réussit à franchir, sans toucher le sol, un mètre dans les deux sens. Voit se multiplier les épreuves et s'accumuler les exploits. Biélorussie, sur un monoplan Henriot, renouvelant l'exploit de Géo Chavez, traverse les Alpes de Brigue à Domodossola. Ses premiers essais, le Nieuport-Dumas, avion sans queue, piloté par le commandant Félix, atterrit à Villacoublay, venant de Eastchurch, Angleterre, en trois étapes.
Rennes-Jean des Moulinets, vol de Paris à Varsovie, 1450 km entre le lever et le coucher du soleil. Puis apparaît l'intrépide Pégou, pilote de la maison Bleriot, qui va conquérir en quelques semaines une glorieuse et populaire célébrité. Louis Bleriot, comprenant l'intérêt présenté par un avion susceptible de partir et d'atterrir à bord d'un navire, fait expérimenter par Pégou un système d'accrochage à un câble pouvant être tendu sur un cuirassé. Pégou se jette en parachute d'une hauteur de 300 mètres. L'avion, privé de son pilote, s'écrase sur le sol. À la suite de cette descente en parachute, Pégou eut l'idée d'exécuter le premier looping après avoir étudié au cinéma les évolutions de son appareil abandonné. C'est le 21 septembre, à Buc, qu'il accomplit cet exploit sur monoplan Bleriot. Septembre 1913, Roland Garros accomplit l'exploit le plus extraordinaire et le plus téméraire que l'on pût concevoir à l'époque, la traversée de la Méditerranée sur un appareil terrestre. Le 23 novembre, Chanteloup, sur biplan Caudron, exécute le premier looping en biplan. Pour donner à l'aviation tout son essor. L'aviation apparaît à la fin de la grande tourmente avec un prestige et une puissance accrue auxquels sont mêlés les noms glorieux de Guynemer,
Languée de serre, fond. Vingt ans de paix ont permis à l'aviation de prendre une ampleur que ses premiers maîtres n'avaient pas soupçonnée. Les aérobus relient les capitales. Les océans sont journellement traversés d'un coup d'aile. Les records tombent après les records, car le progrès n'a pas de limite. La devise des hommes de l'air d'aujourd'hui est encore celle des pionniers de l'aviation. Toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut.